Et salut à tous et bonjour à toutes, c'est Joujou et on se retrouve aujourd'hui pour ma deuxième vidéo, troisième pour vous, sur la chaîne CG Games. Mais bref, on s'en fiche un petit peu. On se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, simplement parce que j'avais envie de faire une petite vidéo comme ça, sur un jeu quelconque. Et l'occasion s'y est présentée parce que j'ai été nominé pour le Lucky Défi, pour ceux qui connaissent pas, j'expliquerai ça tout de suite. J'ai été nominé par un de mes grands amis, hein, dénommé Marvio61. Enfin, moi je l'appelle Mario, mais c'est pas grave. Marvio61, dont le lien de sa chaîne est dans la description. Hein, je mettrai dans la description, bien entendu. Donc, j'ai été nominé pour le Lucky Défi. Donc, le Lucky Défi, on va lire le panneau, c'est quoi? Donc c'est un défi mis en place par Bitwalker, pareil le lien dans la description, parce qu'il a créé quelque chose de génial. Il a créé une map défi réunissant la communauté francophone, enfin pour réunir la communauté francophone des youtubeurs Minecraft, dont je salue les youtubeurs Minecraft, les youtubeurs français, les youtubeurs américains, enfin les youtubeurs de tout le monde entier. Pour savoir qui est le plus chanceux d'entre nous. Bref, c'est pour tester notre chance. Et vu comment je suis chanceux, ça va être drôle. Bref, on va d'abord lire les crédits. Parce que c'est toujours sympa de lire de qui ça a été fait, qu'est-ce qui a été fait, et bref, tatata. Map originale, Lucky Block, Race Map de Lectardo. Oui, cette map a été reprise de quelqu'un qui avait fait déjà une map défi comme ça. Sauf qu'en fait, c'était un défi où il y avait trois couloirs. Et le plus rapide de l'emporter, en gros celui qui arrivait en premier, avait gagné. Alors, Redstone Hardcore Box schématique de Hyper, donc ça doit être le mode, un pack plutôt, un ressource pack, que je n'ai pas. Modification et concept Lucky Défi de The Bitwalker, voilà, donc c'est lui qui a modifié la map, qui a fait tout, d'ailleurs. Le Lucky Block 1.7.10 de Player in Distress. Voilà, qu'on salue tous, hein, voilà. Je dis beaucoup voilà, c'est épique. Désolé si je suis un peu sérieux, simplement. Si je parle pas fort, je crois que je l'ai pas dit ça tout de suite, mais si je parle pas fort et si je suis un petit peu sérieux, comme vous pouvez le voir, même si, bon bah ça sera plus le cas dans quelques instants. Et c'est simplement parce que bah, y a du monde qui dort chez moi, hein. Voilà, j'ai une famille, hein, je suis encore jeune, hein, que voulez-vous, c'est comme ça, la jeunesse, hein, la jeunesse. J'ai encore des gens qui dorment chez moi, et parce que c'est le matin, voilà, j'ai pas envie de gueuler le matin, et de réveiller tout le monde, au passage. Enfin bref, ça on s'en fout, vous en foutez complètement, et puis c'est une vidéo pour me détendre, voilà, c'est pour me détendre, même si je sais que je vais pas mal hausser la voix sur ce qui va m'attendre. En fait le principe est simple, c'est qu'on va devoir parcourir tout le couloir en cassant un les Lucky Blocks, qui sont les carrés jaunes avec des points d'interrogation, les carrés Mario, je les appelle comme vous pouvez voir. Et il y a deux types de blocs, les blocs bonus qui vous apportent des bonus, comme son nom l'indique, ça c'est fait. Donc des armures, de la nourriture, rien du tout, des animaux, bref la joie. Et les blocs malus qui eux bah, vous apportent des bonnes chances, comme des monstres, de la lave, des explosions, bref ce genre de trucs. Et dans tout ça, il y a quand même des règles à respecter dans la map. Donc règle numéro 1, ne pas poser de blocs, voilà. Rester en normal, sauf cas extrême. Voilà, je vous montre. Casser tous les Lucky Blocks et même ceux donnés dans les coffres. Voilà, parce qu'il va y avoir des Lucky Blocks aussi dans les... Je dis beaucoup voilà, ça va être un truc qu'il va falloir que j'arrête ce tic-là, de dire voilà. Donc, restez bien dans le couloir. Donc il va falloir rester dans ce couloir et pas aller dans les traits jaunes sur le côté. J'allais le dire. Vous pouvez mettre les armures mais pas de craft, ça c'est dit. Vous pouvez casser les blocs mais il faut faire les jumps, voilà. Encore une fois. Et règle numéro 7, les enderpearls sont interdits parce que je vous rappelle que les enderpearls, ça sert à se téléporter. Bref. Bonne chance, c'est gentil. On va commencer le défi. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Donc on casse le premier. Oh non. Oh vous êtes sérieux?
Oh non, ça commence très mal. Ça commence... Non ! Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Je suis enfermé. Ah non ! Oh le délire ! La lave ne veut pas s'enlever. Je suis coincé. Oh non. Oh cette malchance. Eh, vous m'excuserez, mais là... Là, j'ai pas le choix. Bon, ça n'empêche que je vais quand même... me porter la malchance avec moi, hein, ressusciter. Non mais là sérieux, j'ai commencé dans le caca, c'est le cas de le dire. Je peux pas, je crois que je peux poser des blocs, mais c'est pas grave. Mais sérieusement, mais oh non, mais vous êtes sérieux? Non mais oh non, mais c'est pas possible. Mais c'est quoi cette malchance de ouf dès le début? Oh non mais là ça y est, vous allez pouvoir vous foutre de ma boule, là c'est clair. Ah mon dieu. Mais non, mais j'arrive pas à le croire. Là c'est... Il y a délire total. Bon, armure, ça me plaît. Bon, excusez, là j'ai pris un petit peu... dedans. Allez, cassez le bloc. Ouh. J'ai très peur là. Vous savez quoi, j'ai très peur. Bon, ça a l'air de bien se passer. Ouh, putain. Non. Mais non. Mais c'est pas possible. Bon, je mettrai pas d'armure cette fois. Oh non, mais là. Là, il y a délire. Il y a délire, là, c'est clair. Allez, un bouquin. Une potion de quoi? Une potion de vitesse, ça me plaît. Des selles pour les chevaux. Après ça verra grand chose. Un casque enchanté, ça m'intéresse. Ouh! C'est quoi ce malade? Oh putain! Non! C'est quoi ce délire? Il faut que je casse les deux blocs! Va-t'en, sorcière! Non! Mais c'est pas possible! Mais non! Je suis à 3 minutes. Mais je suis à 3 minutes. Imaginez quand même. Et en plus je tombe comme une merde, comme ça c'est fait. Je suis déjà à 3 minutes. Je devrais déjà être très loin en 3 minutes. Ce délire. C'est pas possible. Non mais là. Bon moi. Oh non, ça a même pas tué la sorcière. C'est sérieux. Aïe aïe aïe, non, je suis empoisonné. Non. Va-t'en. Ah non. Non 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 non. Manger. Oh non, regarde de ma main, je crois que c'était de la nourriture. Ça me sert à rien tout ça. Je peux pas crafter, donc ça sert à rien. Mais là j'arrive pas à croire ce qui m'arrive. Je suis déjà à 4 minutes. Un arc enchanté, ça me sert à rien. Ok. Un villageois, ça m'intéresse pas. Putain mais c'est pas possible. Mais non. Bon moi ça me libère le passage des toiles d'araignée, ça me plaît. Bon là je m'éloigne. Voilà, ça c'est fait. Oh mais bien sûr, mais mettez-moi. Mais moi mettez-moi un zombie. Mais bien sûr, mais vous avez tout, mais tout compris. Ok, non, 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 non. Par contre, je veux bien ça. Non, j'ai été tué. Non, mais vous êtes sérieux. Bon, oui, oui, bon, là, j'ai perdu du temps. Je suis au courant. Mais là, vous déconnez. Il m'a fait un one-shot, là, les gens, quand même. Dites-vous bien qu'il m'a fait un one-shot. Il avait une épée en diamant. Comment il pouvait me one-shot? Oh non, et la sorcière est toujours là. Mais c'est pas possible. Non mais là, il y a délire les gens. Ah
Mais saute, abruti! Non mais je vais devoir la tuer. Vous êtes conscient que je vais devoir la tuer? Va-t'en! Allez! Et en plus, moi qui ai voué au saut, hein, je commence à avoir l'habitude, j'ai l'impression. Ah, il mange! Mais c'est ta pastèque, pourquoi il peut pas le manger? On peut pas manger de pastèque? Allez. Donc on évite ça. Donc là j'ai compris que ça, qu'il n'y avait rien dans le bloc d'intéressant. De la nourriture. J'ai pas de la nourriture. Non, c'est pas de la nourriture. Ah oui, et là en fait en dessous il y a de la lave. Donc ça va être... Oh putain! Mais c'est pas vrai, on est déjà à 6 minutes! Eh mais là, les gens, vous allez vous foutre de ma goule. En même temps, il y a de quoi, j'ai envie de dire. Là, je vous invite à vous foutre de ma goule. Et là, il n'y a pas du... Il n'y a pas du... Il n'y a pas du refait. Hein. Il n'y a pas de refait. Il n'y a pas de vidéo refaite parce que j'ai fait un mauvais temps. Non, non. Là, je vais poster la vidéo en tant que telle. Et ça va être drôle. Je crois que là, j'ai fait le score le plus pourri. Mais sérieux, là, je vais avoir fait le score le plus pourri. Avec la malchance que j'ai. Mais là, je ne pensais même pas avoir autant de malchance. C'est pour vous dire. Allez, là, je prends toutes les notions nécessaires. Allez. Oui. Ouf. Allez, toi, explose. Explose. Les potions, ça m'intéresse pas. Ça, je sais pas ce que c'est. Je m'en fous. Ok. Ça va, là, on est plutôt bien. Un mini-zombie, mais bien sûr. Et en plus, il me brûle, mais c'est pas vrai. Non. Oh, j'y crois pas, mais non. Oh, mon Dieu. Mais c'est pas vrai. J'espère... Alors oui, comme le veut la tradition, je vais nominer des personnes. Hein. Personne ne sera épargné, hein, bien sûr. J'aurai à 5 personnes, enfin, à nominer jusqu'à 5 personnes. Et je vais pas du tout me gêner. Alors, à savoir que je sais déjà qui je vais nominer, hein. Notamment une qui va se reconnaître dans l'eau. Je pense que vous savez qui c'est, hein. Allez, c'est parti. Allez. Heureusement, il nous donne un truc de vitesse. Ça permet d'aller beaucoup plus vite. Et ça me plaît. Allez. Encore avec ce mini zombie qui me stresse. Putain, mais c'est pas vrai. Non mais là, je vais devoir tuer ce zombie. Je vais devoir tuer ce zombie. Mais non, mais non, mais non, mais non, non. Je suis pas d'accord, bien sûr. J'ai été tué par Bob. Je peux bien le comprendre. Mais là, je suis pas d'accord. Je vais devoir tuer ce zombie. Et j'ai rien sur moi. J'ai absolument rien. Vous vous rendez compte que là j'ai presque passé. Je vais passer presque 10 minutes sur ce. Sur ce défi. C'est dingue. C'est complètement dingue. Je vais voir si j'ai pas une armure qui va pouvoir me protéger. Là, je ne prends absolument rien. Là, il n'y a pas une armure. Armure. Il n'y a rien d'autre. Et je peux pas crafter. Non mais vous êtes sérieux. Mais putain mais... Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et je ne vous zappe rien. Là vous aurez... Vous aurez tout. Vous aurez toute la vidéo. Vous devez... Vous allez devoir me supporter pendant peut-être... Pendant peut-être une vingtaine de minutes. Même si je passe 20 minutes sur ce défi, je le terminerai. Il n'y a pas de... Il n'y a pas tortillé quoi. Donc là ça va déjà faire 10 minutes qu'on est sur ce Lucky Défi. Ah merci, ah, franchement là merci, vous prouvez à quel point j'ai de la chance. Syndrome du filmeur, bonjour quoi. T'es... Ah je suis en train de penser, il n'y a pas quelque chose là-dedans. Ah oui, armure. Pitié, faites que je fasse pas le con. Pas le con. Il est mort. Oh oui, il est mort. Il est mort. Oui. En joie, il est mort. Alors là, je vais devoir jouer sur le sneak. Tiens. Ouf. Stop. Pas de précipitation.
Oui, je préfère finir comme ça que de finir. Non, par contre, déconne pas avec moi. Allez, pitié. Allez, des chevaux. Allez, explose. Des potions. Des potions de points d'expérience. Et ça me sert à rien. Une canne à pêche qui, encore une fois, me sert à rien. Je veux bien prendre ça. Ah, j'ai déjà une armure. Ok, des têtes de zombies et des têtes de creeper. Bon, là, c'est la partie la plus amusante. On va prendre le gâteau déjà. Et là, on va rire. Mais alors là, on va rire, on va pleurer. Je vais pleurer, vous allez rire. Ok, là, j'ai hésité. Là, je vais pleurer, c'est moi qui vous le dis. Allez, putain. Oui. Oui. S'il te plaît, explose pas. Oui, des panneaux. Pitié. La nourriture, non, c'est même pas de la nourriture. Des chiens. Vous pouvez pas m'aider, vous, les chiens? On arrive au bout. Oh non, un méga slime. Vous êtes... Oui, attaquez-le. Oh oui, je vous aime. Oh, je vous aime, mes chiens. Attaquez-le. Pitié, s'il vous plaît, aidez-moi. Mais aidez-moi. Restez pas ici sans rien faire. Allez l'attaquer. Allez aider l'autre. Encore des chiens. Oui, la chance est avec moi pour la fin. Oh boum, un bloc d'or. Allez, on est à la fin. Non. Mais non. Oh non, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas possible. Vous réalisez qu'on était au bout. Il y avait le bouton qui nous est. Viens, je t'assure, c'est la fin. Tu vas t'en sortir, tu vas y arriver. Oh mon dieu, mais j'espère que là, les chiens, ils vont m'avoir sauvé la vie. Qu'ils vont avoir tué ce méga slime. Oh non. Ah, mais je suis en train de rager. Faut que je me calme. Oh, c'est la teuf à la maison. Et j'ai pas de nourriture, c'est chouette. Si, je crois qu'il y avait une pomme. Il y a du pain et des pommes. Mangez. Allez, on passe. Non. Allez, on va le terminer. Je vous promets, on va terminer, Stéphie. Ah, mon dieu. Il y a le... Je trouve plus mes mots. Il y a la débilitude, parce que je ne sais pas jouer. Hein. Il y a le non-professionnel. Mais avouez-le, même, il y a de la malchance quand même là-dedans, quand même. Attendez, mais la malchance, là, elle m'a fait complètement... Elle m'a fait... Tiens, va te faire enculer, connard. Viens, on va s'amuser. En plus, moi qui suis très doué en saut, vous voyez bien, hein. Allez. Donc, je perds de la nourriture. En fait, on va prendre le pain. Tiens, attrape ce pain. Oui, je perds du temps, mais au moins, je suis full pain. Full pain, bah full nourriture. Je fais n'importe quoi. Allez. Oui. Allez. On met tout ça. On s'en fout du temps maintenant, hein. Je pense que vous en êtes conscient. J'avais oublié de casser un bloc. Vous êtes sérieux? Non mais... Vous réalisez que j'avais oublié de casser un bloc? Bah écoutez, ça tombe bien. Yato! Ah putain, j'ai fait un peu de style. Yato. On s'en fout. On s'en fout, on y va pas, c'était nul ce que je veux bien dire. De l'XP. Oh, mon dieu. Ah. Allez, là. Allez, non, mais pourquoi j'ai sauté? Blaireau. Mais quel blaireau je suis. Mais je suis un blaireau. Mais sérieusement, je suis un blaireau. Blaireau de seconde classe. Mais
J'en fais exprès, et sérieusement, j'en fais exprès. Vous pouvez voir que je suis le plus nul à Minecraft, que je suis le plus malchanceux aussi. Parce que là, j'ai fait le pire temps. Hein. Là, c'est clair, j'ai fait le pire temps. Voilà, maintenant, c'est dit. Ça fait 16 minutes que je suis là. Vous êtes là avec moi. Bref, j'ai fait le pire temps. Je suis le plus nul. C'est tout. Voilà, il n'y a pas à tortiller. Et je terminerai ce Lucky Défi. J'ai presque envie de péter la barrière. Je vous jure, là. Je sais pas ce qui m'empêche de frapper la barrière. Allez, putain de moi! Non, j'ai oublié de sneak comme un gros blaireau. Allez, le bouton sneak, c'est là. Non, il faut pas que je sneak quand je suis en train de sauter parce que sinon, bah voilà. Non. J'en ai marre. Je peux pas péter, c'est pas bon, putain! Et vous savez quoi? La règle stipule ne pas poser de blocs, mais au point où j'en suis, hein, vous m'excuserez, mais là, j'en ai marre. Sérieusement, j'en ai marre. Allez, genre, là, je suis à bout, j'en peux plus, je suis à la fin. Un bloc. Allez, là j'ai deux blocs, les gens. Vous imaginez, là j'ai quoi? Potion de vision nocturne. Ça me sert à rien. On a deux blocs. Est-ce que ça va? Mais est-ce que ce jeu cherche à me troller? Est-ce que ce jeu cherche à me troller? Est-ce que ce défi cherche à me troller? Est-ce que mon PC cherche à me faire rager? Oh, j'en peux plus, j'en ai marre. Ça va faire 20 minutes qu'on est là. J'en peux plus. Et vous devez être derrière votre écran, vous devez... Vous aussi, vous devez en... Enfin, pas en avoir marre, vous devez... Mais en avoir... Enfin, vous devez en avoir plus non plus. Vous en devez plus non plus. Bref, je parle pas français, mais vous devez être étouffé de rire, quoi. Pendant que je suis en train de galérer ici comme un blaireau. Ah, putain. Oui, je sais, ce rire était débile. Et là, il le méritait. Bon, là, et vous savez quoi? J'en ai vraiment assez. Voilà. Sauf que ça va absolument rien changer, puisque voilà. Je croyais que je pouvais tricher d'une autre manière. Mais là... Comme quoi la rage me pousse à tricher. Vous voyez, hein, c'est même plus moi qui... C'est même pas moi qui cherche à tricher. C'est carrément le jeu qui me pousse à vouloir tricher. Est-ce que vous vous rendez compte quand même? Le jeu, le défi... me pousse à tricher. Il veut que je triche. Ça se voit. Ça se lit dans les yeux. Dans les yeux du jeu. Et je peux pas tricher plus. Et ça me saoule. Ça me saoule. La 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 la
Vous savez quoi? On va tout jeter. On va tout jeter. On va jeter ce qu'on a dans l'inventaire. Absolument tout. Oui, cette vidéo est déjà assez longue, j'en suis conscient. On va tout jeter. Hop, 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 hop. Même tout ce qu'on a dans l'inventaire. Allez hop, allez hop. On va prendre ce gâteau et on va le mettre à côté de lui. À côté de toi, là. Voilà. Et on va te déguster avec le gâteau. Nya, 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 nya. Tu sais quoi? On va te détruire. Bim. Voilà. Non, et sérieux, c'est cruel ce que je viens de faire, mais là. Là, je suis à bout. J'en peux plus. Ce défi m'a mis hors de moi. Ah! Désolé, là j'en peux plus. J'ai mis 21 minutes. Vous vous rendez compte? 21 putains de minutes. Vous avez conscience que je suis le plus nul? Que là j'ai fait le pire temps? Le pire temps de ce défi. Est-ce que vous en êtes conscience? Sérieusement. Là j'ai fait le pire temps. Le qui défie du monde. Et le jeu m'a poussé même jusqu'à tricher. Est-ce que vous vous rendez compte? Là, c'est même pas mon non-talent. Il y avait du non-talent, je suis d'accord. Il y avait quoi? 5 minutes de non-talent. Ça fait beaucoup, mais c'est déjà ça. Mais sinon, le jeu m'a trollé. Le jeu m'a poussé à bout. Il a voulu que j'ai de la malchance jusqu'au bout. Le syndrome du filmeur, c'est ça, quoi. S'il y en a qui se demandent encore c'est quoi le syndrome du filmeur que certains youtubeurs et motion makers, vidéo makers parlent, je me demande ce que c'est bien. Bah, c'est ça. Le syndrome du filmeur, c'est ça. C'est vous réussissez un truc en hors vidéo quand vous êtes en vidéo et bim, vous avez une putain de malchance. Bah, c'est ça! C'est ça! C'est complètement ça! Le syndrome du filmeur! Vous savez quoi? Quand j'ai fait ça en hors vidéo, j'ai fait un test pour voir si j'avais de la chance. Bah, vous savez quoi? J'ai mis un temps pourri aussi, mais j'ai mis 7 minutes. 7 minutes à faire ce défi. Là, je suis en vidéo, j'ai mis 21 putains de minutes. Vous êtes conscience que là, il y a des gens qui font se foutre de ma coule partout? Mario, merci de m'avoir nominé. Merci de m'avoir fait rager sur ce jeu. Bref, je vais nominer du monde aussi, qui vont faire des temps beaucoup mieux que moi, je le sais d'avance. Donc, je nomine, comme il se doit, CubaCraft61, qui lui va prendre un délire, qui va me prendre un plaisir fou de se foutre de ma goule, mais littéralement, là, il n'y a même pas à tortiller, il va voir le temps de la vidéo, il va voir le nom de la vidéo, il va tout de suite mort de rire, comme Mario. Je nomine aussi Masterman, que j'ai redécouvert il n'y a pas longtemps. Je vous invite à aller voir ces vidéos, lien dans la description. Masterman, tu es le meilleur, tu es un PGM. Donc, celui qui défie, tu le termineras en un claquement de doigts. En 2 secondes, tu auras fini celui qui défie. Je le sais, parce que tu es le Chuck Norris de YouTube. Le Chuck Norris des vidéastes. Je nomine aussi Mario Star, le super plombier. Lien dans la description. Le super plombier qui m'a dit que j'étais un petit super plombier. Et rien que pour ça, tu es un dieu. Pour moi, tu es un dieu. Mario Star, tu es un dieu. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Ta vidéo. Enfin, la vidéo sur toi arrivera bientôt. Oui, j'ai préparé une vidéo sur Mario Star. Mario Star, c'est déjà de quoi je parle. Mais t'inquiète, ça vient. Le sorcier vaudou va être là pour toi. D'ailleurs, ce défi n'est même pas lancé par le sorcier vaudou. Il est lancé par moi. C'est pour dire à quel point je suis sadique. Peut-être même plus sadique que le sorcier vaudou. Non, je déconne. Le sorcier vaudou est le mal incarné. Mais bon, t'inquiète pas, tout arrivera. Je te nomine aussi pour celui qui défie. On va voir si t'as plus de chance que moi, si le sorcier vaudou va te hanter. Moi, il n'y a personne pour me hanter, même pas Cuba, c'est même pour te dire. Je devais être hanté de Mario, et j'ai même pas été hanté, pour vous dire à quel point. Pour te dire à quel point. Je nomine aussi en dernier un groupe, mais un groupe de deux. Et je veux que les deux, je dis bien les deux, fassent celui qui défie. Je vais nominer les Ultimes Aventuriers. Je vous invite à aller voir leurs vidéos sur Dailymotion ou sur leur site si vous préférez. C'est peut-être mieux d'aller voir sur leur site que sur Dailymotion. Pas que j'ai quelque chose contre Dailymotion. Dailymotion, c'est le bien incarné. C'est le bien incarné, encore une fois.
Donc, je vous invite à aller voir leurs vidéos sur leur site, d'aller voir leur site, d'aller voir leur forum. Bref, allez voir tout ça dans la description. Donc, je nomine Narumanga et Lapin Oise. Voilà. Parce que j'ai le droit à 5 nominés. Et donc, eh ben, je nomine ces 5-là. Donc, je rappelle Cubacraft 61. Ou Cubacraft, si vous voulez. C'est plutôt Cubacraft, il a enlevé 61. Oui, c'est vrai. Désolé pour toi, Cuba. Blasterman, le PGM, Mario Star, le Super Plombier, Narumanga, le Pikachu, et la Bowser, le Kirby Tid. Bref, non, ça c'était totalement gratuit, je suis désolé pour toi, Lapin, c'était involontaire de ma volonté, parce que je suis aussi timide que toi, et ce n'est pas un défaut d'ailleurs. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Oui, on a passé tellement de temps là. Je vais arrêter cette vidéo. Je vais la poster tout de suite. C'est même pas. Je vais l'arrêter. Faire l'encodage. Je vous la poste tout de suite. Enfin, non, je la poste pour 18h. Enfin, l'heure où on met toujours nos vidéos. D'ailleurs, vous inquiétez pas, le prochain épisode de Kingdom Hearts arrive bientôt. Cuba, bah, j'ai pas trop de nouvelles de ces vidéos. Je sais pas s'ils continuent pour l'instant. Faut dire qu'on a repris les cours et on a eu une semaine assez chargée. Donc voilà. Donc voilà, vous aurez ma prochaine vidéo normalement bientôt. Si j'ai pas la flemme de faire la deuxième partie, disons que les cours aussi me portent un petit peu sur le poids. Façon de parler, je parle. Hein. Et donc voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, cette vidéo a duré trop longtemps. Allez, ciao les gens et à la prochaine. Et sur ce, que tous ceux que je vous ai cités vous protègent, que le sorcier vaudou vous hante pas. Et allez, ciao les gens et à la prochaine.